Eh bien, il a fallu qu'on parle de Independence juste après la victoire de Port-Royal pour que ce dernier montre le bout du nez. Aujourd'hui, on sentait avec l'idée de mettre Jean-Pierre Guillambert, c'était pas pour rien. Independence, at long last, delivers. Guillambert est un bon front-runner jockey et on a essayé de parce qu'il n'y avait pas grand-chose comme front-runner. Et on a décidé de mettre Jean-Pierre Guillambert et ça c'était une bonne décision. Alors c'est vrai qu'à l'entrée du virage, on le sent encore bien en main alors que les autres commencent à bouger. Il y avait de l'espoir à ce moment, Soubou. À l'entrée de la virage, on a beaucoup de fois, on a été beaucoup d'espoir, mais on s'est fait battre. Mais non, heureusement pour le cheval, c'est bon pour le moral du cheval aussi qu'il a gagné une course. Mais merci beaucoup à tous les propriétaires qui ont ce cheval là aussi. Et qui ont été patients, certainement. Et comme quoi, la patience dans ce sport est légion. Hein. Il faut vraiment, quelquefois, donner du temps au temps pour que le cheval arrive à sortir le meilleur de lui-même. Tout à fait. Et je le remercie beaucoup. On a essayé toutes sortes de choses sur le cheval. On a mis blinkers, nosebands, pacifiers et tout. Mais heureusement qu'il a gagné aujourd'hui pour eux. Alors, l'entraîneur soulagé, certainement, après la victoire de Independence. Félicitations sous vous. Donc, ça fait le doublé après Polar Palace. Eh bien, c'est au tour de Independence de s'imposer dans cette épreuve principale. Sur ce, on retrouve Rajiv et Jug. C'est à vous.